Bonjour, donc aujourd'hui nous allons rempoter en fait nos tomates dans un pot de transition. Alors pourquoi je vais faire ça? C'est parce qu'en fait il y a les seins de glace qui ne sont pas encore passés, j'aimerais encore les avoir un peu à l'abri. Mais le problème c'est que les pieds de tomates vont se développer, donc je vais leur offrir plus d'espace au niveau racinaire pour leur permettre. Parce que si je les laisse dans leur petit godet de 7, comme elles étaient là, comme je viens de les acheter, et bien il y a un moment elles vont en souffrir parce que la tomate va se développer au niveau de ses feuilles et de sa tige, et le problème c'est que il y a un prorata entre la taille de la plante et son système racinaire. Donc là, d'un pot de 7, je suis passé à peu près à un pot de 11-12 que je vais mettre en jauge dans une jardinière qui plus tard, dans laquelle je mettrai plus tard des plantes annuelles, mais pour l'instant ça va me servir de jauge. Je vais pouvoir les surveiller parce qu'elles sont près de la maison et comme je le disais, en fait elles sont encore sous-abri sur une sorte de petite avancée que j'ai devant la maison. Et là, comme c'est près de la maison, comme je vous avais expliqué en fait dans ma vidéo des lauriers roses, si j'ai une gelée, elles seront quand même protégées parce que je suis proche de la maison. Donc, je referme le tout de façon à conserver une fraîcheur autour du pot. Voilà, c'est pas compliqué. Et quand les seins de glace seront passés, j'irai les mettre dans mon potager. Voilà, bonne fin de journée à vous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Vous avez le droit aussi de partager et puis aussi de vous abonner à mes petites vidéos. À bientôt. Et surtout, par contre, pensez à arroser, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça y est, maintenant on est quand même dans des pots, c'est l'important, l'arrosage. Voilà, à bientôt.